introduisez dans les morts de l'étau, ici un hameçon texan. 3-0. Alors je vais mettre quelques billes. Un pour le lester, deux pour faire un peu de bruit. Donc vous pouvez regarder dans le petit film dans la rubrique. Lester un hameçon texan. Ou faire une rallonge. C'est deux petits films pour montrer comment on peut faire. Là vous prenez une languette de lapin, ici c'est une 3 mm. Vous faites une petite entaille. Et vous présentez ça sur votre hameçon. On va pas mettre de rallonge sur la hampe. On va s'en tenir qu'à celle-ci. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, la mobilité. Donc on va fixer ça sur la hampe. Et puis on va mettre une petite mèche ici de fibre assez raide. Ça va faire office d'anti-herbe. Alors on va pas mettre des grosses épaisseurs, donc à chaque fois on coupera et on superposera. Voilà. Ici on va mettre une verte. Parce que si on fait une doublure, ça va faire trop d'épaisseur, on pourra pas travailler. Donc ce sont des fibres synthétiques assez raides quand même. Et comme d'habitude, toujours pour le brochet, ligature et colle. Là, on met du bril de chaque côté. On va mettre quelques petites fibres. Le côté aussi. On va faire la raide dorsale, cette petite masse sombre qu'il y a souvent sur les vifs. Moi j'ai un streamer qui n'est pas trop fourni, mais grâce à la languette de lapin il y aura de la mobilité, et avec les fibres aussi. Alors on va mettre un tout petit peu de dubbing pour former la tête. Toujours en superposant parce que on n'a pas beaucoup de place pour travailler. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre des billes, hein. Mais je mets quelques petites billes comme ça en plastique, sans trop choc. Mais j'en fais bien sûr sans bruit, hein. Parce que le bruit n'est pas toujours bon, hein. Donc voilà, nœud final. On va nettoyer bien l'œillet de manière à ne pas être gêné. On va bien coller. On va écraser un peu comme il y a la colle,
ce soit un peu plat pour poser des yeux. Voilà, on va poser les yeux comme ça. Ici, c'est des autocollants, mais bon, ils tiennent pas, il va falloir les renforcer avec de l'UV. Donc de chaque côté. Et là, avec de la colle UV, on va faire une petite tête. En emprisonnant bien les yeux. On ajuste la longueur du lapin. On va couper ça en pointe. Un streamer taille moyenne qui s'adresse plutôt à des petits carnassiers, genre perche, black. Prends un peu de tout avec ça. Bon, voici donc un streamer de taille moyenne monté sur un Texan. Un peu de bruit plombé. Voilà. Ici, les fibres font option d'anti-herbe. Allez, bon montage à vos étaux.